cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José avec le Doc et José Arsenault. Bon matin tout le monde, bienvenue dans l'émission. Bonjour Doc Mayou. José, non, j'avais pas compris. J'étais tout mêlé, je ne comprenais pas. Honnêtement, c'est pas un jeu. Le monde pense que c'est un show qu'on fait. Non, c'est pas un show, c'est une émission en direct. Ouais, c'est parce qu'on fait référence à l'émission, on dit « Replacez votre caméra, je vois juste la barbe ». Oui, OK. OK, bon, c'est parfait. C'est parce que hier on a reçu un appel d'une auditrice, puis ça a fait vraiment réagir. En passant, ça a été repris un peu partout, dans les journaux, etc. C'est rare qu'on reçoit... Ben, c'est le ce qui s'est passé, en fait, ce qu'elle a vécu, cette auditrice-là, c'est rare. C'est pas rare qu'on reçoive des appels de gens qui nous font confiance. Et ça, moi, c'est ce que j'apprécie le plus là, sur la planète, la confiance que les auditeurs nous font en nous racontant des épreuves qu'ils ont vécues. Et là, hier, notre question, c'était à partir de quand vous êtes rendu compte que vos parents vous avaient menti? Là, on a commencé avec le Père Noël. Bon, on est arrivé vite dans des sujets beaucoup plus profonds. On a une auditrice au début, elle appelle, puis elle dit, en commençant, ben, je me suis rendu compte, je pense que c'est 41 ans, en tout cas, À 41 ans. À 41 ans, que mon frère, en fait, c'était mon père. Moi, sur le coup, je me dis, ben, ça doit être son frère qui l'a adopté. Tu sais, là, pour moi, fait que là, moi, je voulais continuer, puis là, vous... Non, t'attends un peu, là. Expliquez-nous, là. Parce que j'avais vraiment pas compris. Puis là, j'ai soulevé la possibilité que son frère aurait pu inséminer une fille. Oui. Puis là, tu sais, ça aurait pu être par insémination d'une femme autre, mais c'est pas ça. Mais non, finalement, c'est la mère qui a eu une relation sexuelle avec son propre fils et ça a donné comme résultat notre auditrice qui est née de cette relation-là. C'est une femme, une mère de famille adulte qui s'est accouplée avec son fils de 20 ans. Elle est devenue enceinte de son fils de 20 ans et ça l'a engendré notre auditrice, qu'on a traité avec beaucoup de respect. Ben oui, et sur ben Sherbrooke, ce matin, au lieu de la dénigrer comme sa mère a fait pendant toute une partie de sa vie, son enfance, cette personne-là notre auditrice n'y est pour strictement rien et on l'a accueillie avec beaucoup de respect. Puis vous en avez parlé à Sherbrooke, c'est ça, ce matin et aussi. J'ai réitéré que nous accueillons avec beaucoup de respect cette femme-là. Ben oui. Elle n'a pas à supporter un odieux quelconque de gestes qui ont été commis. C'est comme pas possible. Avant sa naissance. Puis là, vous parlez de Sherbrooke. Je vous ai écouté à Trois-Rivières, puis avec Catherine, entre autres, au début, puis vous disiez, t'es comme Josée. C'est comme si c'était pire, vu que c'était une femme qui était avec son propre fils qu'un père avec sa fille. En passant, là, j'ai failli écrire, vous appeler, vous dire, hey, wow, là, c'est aussi pire un que l'autre. Ne me donnez pas des propos que j'ai pas dit, là. Oui. Mais après ça, c'est vrai que premièrement, la rareté, on en entend beaucoup moins parler. Oui. Puis j'ai envie de continuer sur quelque chose, puis j'en discutais avec des collègues ce matin. Oui. Le Huffington Post a repris notre histoire ce matin, puis ça a été bien fait. Bon. Ils ont repris aussi une intervention que vous avez faite avec Catherine Gaudreau de Trois-Rivières cette semaine, je pense. Hein, ou en tout cas, où quand vous avez dit « dénonce ta truie », là, en parlant de la mère. Oui. Ça, là... ça passe pas. Tu sais, dénonce ton père. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines que le monde applaudisse. OK? Puis le père, très souvent, je m'excuse de dire ça de même, mais c'est le père, le grand-père, le mononcle, le frère. OK? Oui. Mais pourquoi c'est scandaleux quand vous dites dénonce ta truie? Hier, c'était l'exemple parfait. C'était une truie qui a enfanté avec son propre fils. Mais ça, vous passez pour un malade mental, un fou, Mayou dit n'importe quoi, il veut juste provoquer. Mais hier, c'était l'exemple parfait que des truies, ça existe. Je m'attends même à une plainte. Je m'attends à une plainte du Collège des médecins. Ben voyons. Qui vont. Ah oui. Parce que d'oser prétendre que certaines mères pourraient être des truies. Je m'attends à une plainte du Collège des médecins. Vous savez quoi? À l'effet que c'est inadmissible. Ils vont juste dépenser de langue pour rien. C'est à l'encontre de mon code de déontologie. Mais vous avez le droit de dire
un porc, par exemple. Oui, 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 oui. Oh, oui. Un médecin a le droit de dire dénonce ton porc, mais un médecin n'aurait pas le droit de dire dénonce ta truie. Vous savez de ça? Ah oui, oui, oui. Je m'y attends. Ça va être c'est discuté à l'heure actuelle, je peux te l'assurer. C'est en discussion au collège ou au syndic. Mais pourquoi ça dérange? Moi, ça fait tellement longtemps, puis je le dis respectueusement pour le syndic, là, mais je les connais tellement. Je sais qu'est-ce qui les froisse. Puis... Oui. Hey, là, j'ai envie de... M'en viens-tu comme vous, donc? Mais... Oui. Tu sais, on dit souvent, derrière tout grand homme, il y a une femme. Mais souvent, derrière tout grand porc, il y a une truie. Non, mais parce que le gars... Elle est bonne. Je vais te l'emprunter, ben, celle-là. Mais ça, oui. Mais ça vive quoi? Bonne. Oui. Le porc, là, souvent, ben la femme est au courant et elle ne protège pas ses filles. Ouais. On a entendu des histoires comme ça dans l'émission? On pourrait faire ça tous les jours, une émission de même, puis on ne manquera jamais d'appel. Exact. C'est vrai. Donc, ça vient d'où le fait qu'on ne puisse pas mettre les vrais mots concernant les femmes, autant qu'on puisse le faire concernant les hommes? Ça, c'est vraiment une question que j'aimerais connaître la réponse. J'en ai une, c'est parce que la mère a un rôle prédominant, déterminant, beaucoup plus important que le père pour les tout-petits de l'espèce humaine. Ce matin, les pères, là, calmez-vous le pompon. Jamais vous aurez l'importance d'une mère auprès des tout-petits. Jamais. Oubliez ça. Dans toutes les sociétés autour du globe terrestre. Oh, mais ça n'en fait pas des saintes vierges, là. C'est pas parce qu'elles ont l'importance qu'elles sont immunisées contre les commentaires ou contre le jugement des pères. Bon. L'Église catholique. Là, pas E-R-E. Je continue. L'Église catholique a érigé un statut particulier pour les mères de famille, les qualifiant de descendantes de la Vierge Marie. Les femmes qui devenaient mères étaient associées à la Vierge Marie qui avait conçu de façon immaculée, soit dit en passant, avait réussi à se faire engrosser, elle, sans copulation. Bon, c'est Saint-Esprit, supposément. En passant, il y en a qui devaient être nerveux quand ils étaient jeunes. Hein? Tu sais, ceux qui allaient à l'église beaucoup et qui étaient super gentils et qui étaient des bonnes petites filles, devaient avoir peur de tomber enceinte juste à... Non, mais cette croyance-là, elle a dû faire du tort. Non, et c'est que, mesdames, sérieusement, là, parce que ça arrive. La conception, la Vierge Marie n'a pas conçu par l'action du Saint-Esprit, mais bien par l'action d'un homme qui a éjaculé près de sa vulve. Et elle était vierge, avait un hymen, les spermatozoïdes avec une perforation, un petit trou, une ouverture, et les spermatozoïdes sont entrés. Alors, on n'a pas besoin, chez l'être humain, les hommes n'ont pas besoin de pénétrer une femme. Il s'agit qu'ils éjaculent sur la vulve, surtout lorsqu'elle est lubrifiée, et je peux vous assurer que ça peut, s'il y a ovulation, il va y avoir grossesse. Fait que Joseph, il aurait fait ça. C'est pas Joseph. On ne partira pas là-dessus, là. Ça se pourrait que ce ne soit pas Joseph. Okay, Joseph l'a recueilli une fois qu'elle était enceinte. Okay. Joseph a été gentil. C'était un homme bon. Mais là, vous êtes en train de changer de la réputation de la Vierge Marie, là. Parce qu'elle passe de sainte à courroyeuse, là. Non. Et je ne dis pas que Marie a été courroyeuse. Je dis que Marie s'est faite engrosser par un homme, comme il y a beaucoup de pédophiles font. C'est qu'il se... Il se frotte le pénis entre les deux cuisses de la petite, Je comprends ce que de la jeune, et il éjacule sur la vulve. Okay. Mais revenons là. Ou près de la vulve. On va conclure parce que c'est pas notre sujet là, mais ça me fascine totalement. La science peut déranger beaucoup. À partir du moment où on sait qu'on n'a pas besoin de pénétrer, ça vient remettre en question des dogmes de l'Église catholique. Mais même encore, revenons à notre sujet, là, OK? On a assez de lui, là, pour faire réagir. Je trouve ça fascinant, pareil. Moi, ouais, je comprends, là, mais... Ouais. Alors, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles de 10-11 ans qui, à l'heure actuelle, se font abuser par un homme adulte qui ne les pénètre pas. Mais il se frotte le pénis, il se rentre le pénis entre les deux cuisses, puis il se fait venir comme ça. Je n'invente rien. Bon. Ces hommes-là, donc, on peut les traiter de porc, pour revenir à notre propos. Oui. Tandis qu'une femme, elle, on ne peut pas dire que c'est une truie. Si elle est complice, bon, on va être prudent ce matin.
Il y a des enfants, des fillettes qui ont été abusés par un beau-père, par un père, un grand-père, à l'insu de la mère. Ça existe. Maintenant... Mais les autres, c'est pas détruit. Non. Maintenant, lorsque ça existe sur une période de 4 à 6 ans, il y a des soupçons. Ou quand on entend, je l'ai dit à ma mère, puis elle a fermé les yeux. On l'entend, ça. Tu sais, le beau-père, la nouvelle vague actuellement, là, et ça fonctionne beaucoup. Je caricature à peine. C'est l'homme qui a repéré une monoparentale avec 3 enfants, dont 2 fillettes. Et il est gentil avec les enfants, t'as même pas idée. Ah oui. Il les garde pour pouvoir permettre à la mère d'aller au bingo 3 fois par semaine. Elles se reconnaissent, sois sans crainte. On a eu des nouvelles de l'auditrice. Oui. De Linda qui nous a téléphoné. Elle m'a écrit sur le Facebook en privé. Elle dit « Bonjour José, merci ce matin d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était moi, la Linda de Sherbrooke. Dis au Doc Mayou qu'il est le meilleur et j'ai beaucoup de respect pour lui. J'aimerais tellement un jour pouvoir lui parler face à face et qu'il me donne son opinion sur la personne que je suis devenue avec mon bagage et mon lot d'épreuves. Tu fais du bon travail toi aussi, je t'en félicite. Bonne journée. » Je lui ai répondu. J'ai dit « Votre parcours est incroyable, vous nous avez semblé très solide et vraiment je vous remercie pour votre confiance. Je me souviendrai longtemps de votre appel en ondes. Merci et bonne continuité. » Je m'associe à toi pour la réponse, c'est du grand José. Mais parce qu'il y en a beaucoup qui s'inquiétaient d'elle. Hein? Il y en a qui se disaient « Ben voyons, là, elle a parlé en public, là, ils reprennent ça dans les journaux. » Mais avec la réponse qu'elle nous a donnée, je pense qu'elle est très heureuse d'avoir pris le temps de nous téléphoner hier. On va aller à la pause, mais je vais tout de suite annoncer notre sujet. Et ça, c'est notre sujet s'inspire d'une question d'une auditrice de l'Estrie qui nous a écrit via Cogeco Live. Elle dit « Se peut-il que ma fille de 5 ans ne m'aime pas? » Je suis en garde partagée 50 % du temps avec le père et elle ne se gêne pas pour dire qu'elle a hâte de revoir son père dès qu'elle revient de chez lui. Je ne sais jamais si elle le dit pour me narguer ou si elle le pense vraiment. Elle a 5 ans, la petite fille. On va aller à la pause. Au retour, avez-vous l'impression qu'un de vos enfants, que vos enfants ne vous aiment pas? Jusqu'à vous rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on s'inspire d'une auditrice qui nous a écrit via Cogeco Live. Vous pouvez d'ailleurs communiquer avec nous en tout temps, hein, que ce soit via la page Facebook de l'émission, le Doc Mayou et José, que vous pouvez aller cliquer « J'aime ». Comme ça, vous allez voir nos sujets au quotidien. On les met toujours en ligne vers 8h, fait que ça donne le temps aux gens de commenter, de raconter également. Et si vous préférez nous écrire en privé, ben vous pouvez nous envoyer un message privé via la page Facebook. Il y a notre courriel également, il y a Cogeco Live, il y a les textos. On est vraiment rejoignables un peu partout. Notre auditrice, je relis le courriel. Elle dit « Se peut-il que ma fille de 5 ans ne m'aime pas? Je suis en garde partagée 50 % du temps avec le père et elle ne se gêne pas pour dire qu'elle a hâte de revoir son père dès qu'elle revient de chez lui. Je ne sais jamais si elle le dit pour me narguer ou si elle le pense vraiment. » Elle le pense vraiment. Alors, mesdames, il y a une réalité biologique que je vais essayer de vous expliquer. Et ça réfère à l'attachement édipien, à la réaction édipienne. Qui veut dire? Il y a du monde qui ont compris dans la mythologie grecque que les petites filles et les petits garçons, vers 3, 4 ans, 5 ans, commençaient à développer un sentiment quasi amoureux envers le parent de sexe opposé. C'est normal et très fréquent chez la plupart des enfants. Ça varie dans son expression, mais prenons ça comme acquis que ça ne vient pas d'une invention de Mayou. Là, l'attrait édipien, c'est-à-dire l'attrait sexuel envers le parent de sexe opposé, ça existe et c'est fréquent. Maintenant, Freud en a parlé copieusement, mais ce dont il n'a pas parlé, Freud, c'est la réaction du parent
de sexe opposé à l'intérêt amoureux de la petite ou du petit. Tiens, 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 Freud a oublié. Mais Mayou, il s'est interrogé là-dessus. Et il a découvert, en psychanalyse puis en psychiatrie, dans sa profession, qu'il y a beaucoup de parents de sexe opposé qui développaient un sentiment amoureux envers leur enfant de sexe opposé. Ouais, il y a beaucoup de papas au Québec qui sont amoureux. Je dis papa entre guillemets, parce qu'ils n'en sont pas. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de géniteurs qui deviennent amoureux de leur fillette au Québec. Ça se manifeste comment? Ils aiment beaucoup leur donner le bain, même lorsque la fillette en a plus besoin. Ils lui font volontiers sa toilette vulvaire et surtout la sèche avec la grosse serviette assez longtemps. Et on dirait qu'il coule de l'eau entre les deux jambes de la petite. Il l'éponge, en tout cas, ils m'ont raconté, là, qu'ils passent beaucoup de temps à l'éponger. La douche, oh, ils aiment beaucoup prendre la douche tout nu avec la petite. La petite, elle a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, ses yeux sont à la hauteur des organes génitaux du géniteur. Ben oui. Vous comprenez? Ça fait comme un... Compte tenu que c'est à la même hauteur que les yeux, pour la petite, le pénis, à cause de la proximité, devient très gros, occupe une grosse place dans le champ visuel, d'où l'impression qu'ont beaucoup de ces filles-là, lorsqu'elles deviennent adultes, qu'un pénis, c'est énorme. À part la douche, écoutez, c'est bien sûr, docteur, je l'ai juste une 20 semaines sur deux, ou je ne l'ai pas tout le temps. Et on dort ensemble. Ça, évidemment, ils dorment tous ensemble. OK, à peu près tous. Il n'y a à peu près pas une fillette qui est en garde partagée qui dort dans son lit parce que... Non, non, écoute. L'autre affaire, ma chérie, ma princesse, évidemment, les baisers sur la bouche. Évidemment, les baisers sur la bouche. Écoutez, ce père-là est affectueux comme ça se peut pas. Donc, il l'embrasse. Mais pas sur les joues, pas sur le front. Et pendant ce temps, la mère, elle, qui va avoir un rôle de mère, est mise de côté. Puis l'enfant est beaucoup plus porté à aller vers le père. Vous avez tout compris. Ben, c'est que ça. Vers la mère. Parce que le père a comme volé l'enfant. Là. Il se l'est approprié. Il flirte. En réaction avec au mini-flirt de l'enfant, il répond avec un flirt d'adulte copieusement orchestré. Et pour ceux qui trouvent que j'exagère ce matin-là, regardez autour de vous, puis regardez-vous, vous allez voir que c'est dangereusement fréquent. Je viens pas d'inventer une histoire ce matin-là, et je ne l'ai pas caricaturée, et j'ai même pas eu besoin de l'exagérer. Notre auditrice pourrait nous répondre si ça ressemble un peu à l'histoire, là, mais ça expliquerait pourquoi sa petite fille de 5 ans aime beaucoup plus aller chez son père. Dans beaucoup de séparations, je me suis demandé si le père ne se séparait pas de la mère de la fillette pour précisément devenir et entretenir une relation amoureuse avec sa petite, en l'absence de la mère, au moins la moitié du temps. Inconsciemment, toujours. Non. Non, 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 non. Moi, j'ai de la misère avec le père. Non, 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 non. Le père qui aime sa petite fille, il pense qu'il l'aime, là, mais il ne dira jamais qu'il est amoureux de sa petite fille ou il ne conscientisera pas. Tu sais, il ne le rationalisera pas, là. Ah non? Selon moi. Ben, t'es gentille. Ah bon? Non, mais en psychanalyse, ils peuvent le découvrir sûrement. Vous riez. T'es vraiment gentille, t'es... Être... José, c'est un être de bonté. Non, c'est j'ai de la misère à concevoir. Tu me fais paraître comme un gros pervers. Ben non, vous avez l'expérience, puis moi, je ne l'ai pas. C'est ça, la différence. Je prends en considération ce que vous dites. Ça se peut que je sois un gros pervers. Mais c'est parce que j'essaie de... Tu sais, des histoires, on a entendu, là, ce que vous avez nommé tantôt comme réaction, c'est de l'inceste psychologique que vous nous avez déjà expliqué. Oui. Le père qui prend bain avec la petite fille, le père qui donne des becs sur la bouche, le père qui couche dans le même lit que sa fille. On en a déjà traité de ça dans l'émission. Oui,
Édipe renversé ou inceste psychologique. Mais rappelez-vous, on en a eu des appels de pères qui disaient, qui pensaient que c'était correct, qui pensaient pas que ça pouvait faire des dommages. On a eu aussi des appels, j'ai les en mémoire totalement net, clair et précis, là, des appels de jeunes filles qui, même encore à l'âge adulte, font un voyage par année avec leur père puis qui appelaient pour défendre leur père parce qu'ils couchaient dans la même chambre. Là. Vous en souvenez? Voir dans le même lit. Voir dans le même lit. Mais dans ma tête, à moi, c'est pas des pédophiles, là. Tu sais, puis surtout quand ils deviennent plus grandes, plus vieilles. Dans ma tête, à moi, c'est inconscient. Ils savent pas ce qu'ils font. Comment que c'est ça, Jésus? Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Christ a dit, pardonnez-leur, pardonnez aux innocents. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, ben oui, effectivement. Ben oui, j'ai pas besoin d'en remettre, José. T'es en train de les traiter comme une gang de maudits innocents. Effectivement, au Québec, il y a un pourcentage d'hommes qui ne sont que d'ignobles innocents. Innocence, là, dans le sens propre du mot, là. Mais celui qui fait... Parce que moi, je fais la différence entre l'innocent... C'est pour ça qu'on en parle. Entre l'innocent, qui écoute l'émission aujourd'hui et qui se dit... « Colin, je savais pas que ça pouvait troubler ma fille de même. » Puis qu'il réalise, là, OK? Et celui qui... « j'ai hâte d'asseoir à donner le bain à ma fille. » Je fais une différence, moi, entre les deux. Oui. Et la mère qui embrasse qui a des lèvres pulpeuses, absolument divines, et qui embrasse son fils de 9 ans et demi sur la bouche à chaque matin... Selon vous, là je fais des drôles de comparaison, lorsque je le lui ai fait remarquer, elle était innocente. Je peux t'assurer qu'elle ne l'a plus jamais répété. Oui, mais il y en a plein qui s'en fout, hein, puis qui continuent de le faire, puis qui se justifient. Puis plus qu'ils se justifient, plus ça m'interpelle. Je lui ai simplement dit, est-ce que tu savais que tu as des lèvres uniques? Non, elle ne le savait pas. Avait des lèvres pulpeuses, Josée, ça n'avait pas de maudit bon sens. Une mère qui donne un bec sur la bouche à son fils ou un père qui donne un bec sur la bouche à sa fille, c'est aussi pire que la tape ses fesses, ça? Ah, on est dans les éléments, on est dans la transgression. Alors, il y a la violence, il y a la transgression, ça traumatise. Ah, oh, définitivement, ce sont des gestes très graves. Là, Doc, il est 9h55. On va aller à la pause. Là, on a expliqué le cas de notre auditrice avec sa petite fille de 5 ans, qui préfère aller chez son père. Elle a l'impression que sa petite fille ne l'aime pas. Là, vous avez émis une hypothèse qui est très pertinente. Notre question aujourd'hui, avez-vous l'impression qu'un de vos enfants ou votre enfant ou vos enfants ne vous aiment pas? Moi, je trouve ça extraordinaire. Si les auditeurs se donnent la peine et nous font confiance encore une fois, là, c'est un sujet qu'on ne jase jamais, ça. Le monde qui va appeler pour chialer après leur mère, etc., ça, encore une fois, on peut faire un radioton. Mais l'inverse, des parents qui ne se sentent pas aimés, c'est très rare que ce sujet-là est abordé. Donc, ça serait très intéressant, votre participation. Moi, je m'imagine autant des parents avec des jeunes enfants qui ont l'impression que les enfants sont faits partout, sauf à la maison avec eux autres. On l'entend, ce commentaire-là. Puis ils se questionnent, puis ça les remet en question. Je fais appel à des parents qui, pendant l'adolescence, utilisent le mot « crise d'adolescence » comme fourre-tout, là. Plus de communication, plus possible d'évoluer avec l'adolescent, l'adolescente. Puis là, ça les remet en question, puis ils pensent que c'est parce qu'ils aiment pas. Et il y a aussi peut-être des parents qui savent très bien pourquoi les enfants ne les aiment pas, qui pourraient nous parler. On va aller à la pause. Avez-vous l'impression qu'un de vos enfants ou que vos enfants ne vous aiment pas? Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composé le 670-9330. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. La question n'est pas facile, hein, puis j'en suis très, très consciente, là. Avez-vous l'impression que vos enfants ne vous aiment pas ou qu'un de vos enfants ne vous aime pas? Ou préfère l'autre parent? Ou préfère l'autre parent. Ouais. Ouais, ça peut être interpellant aussi. Vous aime pas ou vous aime moins que l'autre. Parce que dans le fond, c'est ça qui arrive avec la petite de 5 ans, là.
la mère réalise. Ben, elle, elle a dit qu'elle ne m'aime pas. Oui. OK. Fait que ça va jusque-là. Là. Oui. Pour l'instant, j'insiste, là, c'est vraiment ça. Là. On veut parler à des parents qui pensent que leur enfant ne les aime pas. Puis on va en jaser ensemble. C'est pas les enfants qui appellent pour dire qu'ils n'aiment pas leurs parents. Non. Parce que ça, j'en ai déjà plein. Plein de gens qui ont écrit des courriels là-dessus. Mais l'inverse, là, c'est ça. C'est pour ça que je trouve la question très intéressante. C'est un angle qu'on n'aborde jamais. Puis savez-vous pourquoi? Je pense que c'est parce que quelqu'un qui appellerait, c'est pour ça qu'on va être. Je suis certaine que vous aussi, là. Tu sais, on va écouter, c'est pas. Oui. Mais c'est parce que ça doit être un. Il doit y avoir un sentiment d'échec. Tu sais, ton enfant t'aime pas. Oui, entre autres. Et ça peut être très inquiétant. Par exemple, dans certains cas, là, où la... Est-ce que... Écoute, je vais te poser la question suivante. Oui. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'une fillette de 5 ans de préférer nettement sa semaine chez le père, qui est fortement amoureux d'elle, qui la traite comme une princesse? Est-ce que c'est dans l'intérêt de cette fillette-là d'avoir une relation préférentielle avec son géniteur plutôt qu'avoir une relation préférentielle avec sa génitrice? En autant que la mère est une bonne mère. Ah oui, c'est maintenant, ça. C'est ça. José, si la mère, lorsque je vois là, moi, dans mon bureau, c'est des mères qui sont allées domper leur bébé dans une garderie d'État ou familial à l'âge de 9-10 mois. Puis là, elle réalise que elle n'est pas la préférée de l'enfant. Madame, votre bébé a créé des liens avec différentes personnes autres que vous. Vous êtes l'artisane de votre malheur dans ces cas-là. Venez pas vous plaindre. Vous en êtes pas occupé. Oui, mais le soir, puis le temps de qualité, puis... Non, non. Le soir, l'enfant, il est fatigué. Il soupe, c'est le bain, puis dodo à 7h, 7h30. On est d'accord, José? Oui, oui. Bon. De 7h, 7h30 le matin, jusqu'à 5h, 5h30, le soir, il a été avec d'autres que vous, madame. Donc, toute la journée, il a évolué, il s'est développé en présence d'une autre personne. Fait qu'au niveau de l'affect, c'est... C'est bien plate, puis oui, mais j'ai pas le choix. Puis là, t'entends les excuses. J'ai pas le choix, il fallait que je travaille. Non, non, non. Écoutez, moi, mon rôle, là, c'est de vous expliquer comment se fait-il que dans certains cas, votre enfant n'a pas le lien, ne vous considère pas comme sa maman. Et même, j'ai eu des cas hein, où les tout-petits appelaient la gardienne maman. Et la mère était en sacrement, change la garderie, vire en envers. Ben oui, mais... Écoutez, vous êtes l'artisane de votre malheur. J'ai l'impression organisez-vous. C'est Emmanuel qui nous a écrit sur la page, le Doc Mayou et José, la page Facebook. Oui. Ça, j'y avais pas pensé, mais j'ai l'impression que ça va être de ça beaucoup qu'on va avoir aujourd'hui. Lui, il dit, depuis ma séparation, il y a plus de 4 ans, je n'ai eu que très peu de contact avec mon fils. Mmh. Il a été mêlé au conflit de la séparation et me déteste depuis ce jour. Mmh. Il a maintenant 18 ans. J'ai une très bonne relation avec mes 3 filles, mais je ne sais pas si je vais un jour en avoir une avec mon fils. Là, je connais pas les dessous de l'histoire, mais ça m'a amené une réflexion. Oui. Ça se peut-tu que le dénigrement de la mère face au père, ça aussi, ça fasse en sorte que ça devient biaisé, là, que les enfants n'aiment pas le père parce qu'il est tout le temps dénigré par la mère. Oui, mais le dénigrement aurait fonctionné uniquement pour le fils, mais pas pour les 3 filles. Tu trouves pas drôle, bizarre un peu la différence de genre ici? Comment vous l'expliquez? Moi, je me suis fait un film, écoute, là, mais non, vous, votre non, film, écoute, c'est quoi? C'est tellement fréquent. Le flirtage d'un parent avec le ou les enfants de sexe opposé. Écoute, monnaie courante, surtout chez les professionnels, le monde instruit, les universitaires. Ouh! Hey, tu jurerais des relations amoureuses d'adultes.
Mais comment? La mère qui est jolie, écoute, j'en ai 12 ans. Bon, là, oui, 12 ans. 12 ans, la mère fait la sieste l'après-midi avec son fils de 12 ans couché sur son lit. Puis je m'entends dire qu'elle est belle comme un cœur, là. Une femme sexy. Fiston, 12 ans, couché au côté d'elle. Ils font la sieste. Ils se reposent en après-midi. C'est beau, hein? Est-ce que c'est dans l'intérêt de Piston de faire la sieste l'après-midi avec sa mère qui est belle comme un cœur? Ce qui fait qu'exemple, si on reprend l'histoire d'Emmanuel, son fils avait peut-être un attachement particulier avec sa mère. On peut dire ça comme ça. Et les trois filles, un avec attachement particulier avec le père. Mais c'est par hasard, là. Écoute, c'est par hasard. Et là, à cause de la présentation de la vignette, ça me surprendrait qu'il y ait eu un gros dénigrement, parce que le dénigrement aurait pris avec le gars, mais n'aurait pas pris avec les filles. Tiens, tiens, tiens. Non, écoute, appelez-nous donc, là. Ça pourrait être bien plus simple. Ça flirte à tour de bras dans les familles québécoises. Ça n'est gênant. Épidémique! Mais quand il y a séparation, ça doit être encore plus flagrant, là. Que des parents qui se sentent moins aimés que l'autre. Ben oui, mais c'est plus ouvert. Alors, c'est bord ouvert parce que l'autre n'est pas là. Lorsque l'autre parent est là, puis qu'il y a un peu trop de flirtage parfois, c'est pas toutes des guenilles au Québec, là. Il y en a qui interviennent, père ou mère. Qui dit hey, wow, c'est assez. Moi, la mère qui embrassait son gars de son fils de 9 ans et demi, là, avec ses fameuses lèvres pulpeuses. Écoute, elle était séparée. Il n'y avait pas de père depuis 2-3 ans. Mais en plus, vous savez très bien qu'il y en a qui font ça adultes encore, hein? Ça. Oui, mais c'est pas toutes les femmes qui ont des belles lèvres. Là. Mais c'est... Ben, vous dites ça, mais en même temps, pour la conjointe qui voit son conjoint embrasser sa mère, là, je pense pas qu'il y ait des relations sexuelles le soir, là. Et Emmanuel répond, pour répondre au doc, le dénigrement a fonctionné avec mes filles au début. Mais j'ai réussi à reprendre le dessus avec le temps. Elles ont 27, 22 et 8 ans. J'avais une très bonne relation avec mon fils avant la séparation. Attends un peu, là. 27, 22 et 8 ans? C'est un drôle de... En tout cas, il y a toutes sortes de constellations familiales. Oh. Eh bien, oui, ça doit être une drôle de dynamique conjugale, ça, cette affaire-là. Non, mais peut-être que la vasectomie n'a pas marché. Ça arrive, ça. Eh bien. Oui, il y a une méchante différence d'âge, là. Je veux vous lire oui. Également un courriel. Ce serait bon qu'Emmanuel nous appelle. Bon, pour... ça serait tellement plus simple, hein. On pourrait aller dans le vif du sujet tout de suite. Parce que, il s'est passé toutes sortes de choses, là. Je te dis que les relations conjugales québécoises sont de tous ordres, José. Il y a oui. Une auditrice, je veux vous entendre là-dessus honnêtement, là. Moi j'ai mon point, mais elle dit à la question, est-ce que vous avez l'impression que vos enfants ne vous aiment pas? Oh que non! Mes enfants m'aiment beaucoup et m'ont toujours aimé, même si durant l'ado, on peut croire l'inverse. Plus ils sont chiants avec nous, plus on peut être sûr qu'ils nous aiment. Apprendre avec des gants. Bon. Ce à quoi l'auditrice réfère, c'est que oui, dans les cas de séparation, il y a des enfants qui vont être plus tannants, plus expressifs, voire même un peu plus agressifs avec un parent qu'avec l'autre. Souvent, ce que j'observe, c'est qu'ils vont s'exprimer davantage avec le parent avec qui ils ont la meilleure relation, la relation la plus solide. Ils ne se feront pas balancer. Alors, la plupart des enfants, lorsqu'ils sentent que le parent peut dire « Hey, va-t'en chez l'autre, puis je ne veux plus te voir, etc. », vont se taire, vont ramper, longer les murs. Mais lorsqu'ils arrivent chez le parent avec qui ils ont un bon lien, beaucoup plus solide, ils s'expriment davantage, peuvent être plus agressifs. Mais mettons-en pas trop, là. Okay. Tu sais, c'est pas tout à fait ce que l'auditrice essaie de nous faire croire, là. Elle beurre un peu trop épais. Okay. Alors, une tartine,
une tartine de confiture, c'est pas tout le pot qu'on met sur la tranche, parce que là, ça coule partout, puis... On va parler avec Pierrette, qui nous a joint. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Pierrette. Bonjour. Pierrette. J'ai quasiment peur de parler avec le doc, parce que c'est toujours les moments qui sont pas corrects, mais en tout cas, je vais expliquer mon cas. Attendez un peu, wow. Vous avez pris ça où? Je sais pas. C'est parler. C'est toujours les mamans. D'abord... Vous pourriez dire les mères ou les génitrices. OK, les mères ou les génitrices. Ne volez pas le privilège de l'enfant de vous appeler maman ou papa. C'est bien. OK, alors allez-y, continuez. Ben maintenant, ma fille, elle a 34 ans, ça fait déjà longtemps. Elle était toute petite, puis elle n'aimait pas sa maman. Elle me donnait des coups de pied après les jambes. Puis, ben, elle écoutait, on passe partout, puis souvent, je l'arrêtais d'écouter ça, parce que je trouvais que c'était des mauvaises émissions pour elle. Mais là, quand son père arrivait, elle s'empêchait de dormir le soir parce qu'il était camionneur, il arrivait très tard. Mm. Puis là, avec le temps, ben moi, j'avais l'autorité, puis lui, il l'avait pas. Puis là, ben je me suis aperçue que bon, ça marchait pas avec ma fille, puis je l'ai voulu. Là, pendant 12 ans, j'ai essayé d'avoir un enfant. Mais Renald, j'ai dit le vrai nom, c'était un très bon papa, un très bon père. Puis ben moi, à quelque part, je me disais, ben peut-être j'ai été trop autoritaire, mais j'avais l'autorité des deux. Fait que là, il est rendu à 34 ans, mais ça fait longtemps, elle est partie à 16 ans sans que je le sache. Moi, je travaillais, puis quand j'arrivais, j'ai vu les sacs à la galerie. Mm. Fait que là, je suis allée le retrouver chez eux, puis là, on a parlé, mais c'est ça. Elle était jalouse beaucoup aussi de sa sœur, puis pourtant, sa sœur, tu sais, c'est parce qu'elle était bonne à l'école, puis Marilyn aurait été bonne à l'école aussi, mais elle aimait pas l'école. Puis je l'ai forcée à l'école jusqu'en secondaire 5. Puis j'ai forcé à prendre un cours parce que l'autre cours, ben, me disait toujours, ben, je vais aller en éduc, mais l'année d'avant, ben, c'est elle qui signait les papiers, comme quoi que c'est moi qui donnais l'autorisation de puis y aller. Mais c'est pas moi, c'est elle qui signait. Ben, j'avais été voir le directeur, mais elle était obligée de prendre un autre cours que celui-là. Ben, là, elle m'a toujours haï. En plus, j'avais trouvé un papier comme quoi, c'est parce qu'elle avait fumé à cachette dans la maison, puis j'avais rentré. Puis moi, j'étais asthmatique, mais je voulais pas qu'elle fume. Mais, elle avait fumé quand même. J'avais donné 3 chances. Puis là, ben la 3e chance, ben, j'ai dit, ira pas voir ton cheval la fin de semaine. Où son père était. Puis finalement, ben son père m'a tombé dans la face parce qu'il disait que j'étais pas fine, que je l'empêchais de voir son papa. Je dis, non, c'est parce qu'elle a défié mon autorité encore, puis moi, je veux plus qu'elle fume dans la maison, puis je veux qu'elle se fasse rapide. Puis là, quand elle a parti, justement, à 16 ans, moi, j'ai viré le matelas de bord, puis tout ça. J'ai trouvé une lettre. Là, elle m'a pendue, elle me traitait de crise de chienne, maudite vache, la charogne, jalouse, tout plein d'affaires de même. Ben, j'ai eu beaucoup de peine de ces choses-là. Puis là, ben, avec le temps, ben, elle vient plus me voir, elle m'aime pas. J'ai parlé. Vous savez, Pierrette, il y a deux dimensions ici, là. Oui. Il y a l'autorité excessive et il y a l'enfant de moindre qualité dans sa personnalité. Est-ce que ça vous dit quelque chose que je viens de dire? Ben, pas vraiment, parce que là, je l'avais elle était toujours collée sur moi, elle m'aimait, elle était tout le temps avec moi. J'ai donné même plus d'affection que la plus grande. Parce qu'ils ont à qui, Pierrette, à qui ressemble cet enfant-là? À moi. Non. Au niveau du tempérament, des traits de caractère. Oui, c'est moi. Ben, voyons. Ben, je vous le dis, on a le mauvais caractère, un caractère fort. Son père avait pas un caractère fort. Vous avez pas un caractère fort, vous avez un caractère faible. Alors, quelqu'un qui utilise l'autorité pour se faire obéir de son enfant est nécessairement en doute, est nécessairement faible dans sa capacité de créer un lien. Maintenant, c'est pour l'école plus que j'étais autoritaire parce qu'elle ne voulait plus y aller. Lorsque son père vous a tombé d'en face, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a traité de quoi? Ben, il est descendu en bas puis il m'a dit « Bon, t'es contente, là? Je l'ai disputé. » Ben oui, mais j'ai dit l'autre fois, quand elle avait enlevé, elle avait une belle petite robe neuve, elle disait aux autres petites filles qu'il n'y avait pas des belles robes. Ben moi, je lui ai enlevé. J'ai dit, c'est pas gentil de faire ça. Puis j'ai dit à Renal, la prochaine fois qu'elle fera ça, ça va être toi qui vas parler. Puis ça a donné que c'était un samedi, puis là, elle sort dehors. Pierrette. Oui. Pierrette, l'affection, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ben oui, ça me dit quelque chose. Ça. Ah oui? Ça vous dit quoi, l'affection? Ben, c'est d'être avec nos enfants, puis les aimer, puis les prendre dans nos bras quand c'est le temps, aller les coucher, être présente. Ouais. Non, c'est juste... Vous savez, il y a parfois des misfits, des mauvais pairages.
c'est-à-dire une espèce d'incompatibilité ou de peu de compatibilité entre le tempérament de l'enfant et celui d'un parent. Votre fille, je regrette, elle ne vous ressemble pas du tout. Vous, vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, ben là, je suis rendue à 67 ans, puis je suis rendue à mes rentes, là. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? J'ai été coiffeuse, j'ai travaillé au gouvernement, j'ai été serveuse en dernier. Vous avez travaillé fort? Ben, assez fort. Quand j'étais coiffeuse, c'était rien, puis serveuse aussi. Est-ce que votre fille de 34 ans fait quoi actuellement, là? Ben maintenant, elle est répartitrice du Miroc Transport à Saint-Denis. Ah, ben c'est bon, ça, c'est bon. Oui, okay, elle est avec une gang de monsieur qui fait valoir son autorité, qui disait toujours que je n'avais trop. Oui. Mais moi, docteur Mayo... C'est pas que vous aviez trop d'autorité, c'est que... avec un... pour les deux. Il n'avait pas, lui. Ben oui, ben... Bon, là, il n'était pas là non plus. Regardez, une mère ne peut pas avoir d'autorité pour deux sans perdre une partie du lien qui l'unit à l'enfant. Mm. Alors, votre conjoint vous a manipulé. C'est un maudit bon manipulateur. Il vous a manipulé, puis il vous a mal fait paraître. Vous passiez pour la méchante. Et il vous a fait passer pour une mégère, une méchante. Oui. Puis il était loin d'être le faible que vous pensiez qu'il était. Bye, Pierrette. Merci, Pierrette, de nous avoir parlé. Merci d'avoir appelé. Ça va nous éclairer plusieurs, parce qu'il y a plusieurs qui sont poignés avec ça actuellement. On va aller à la pause. On a vraiment beaucoup de courriels. OK. Parce que je comprends là, que c'est pas nécessairement évident. Mais vous voyez, là, il y a moyen de discuter. Il y a moyen, parce que appeler pour un sujet comme ça, faut vraiment faire preuve d'humilité. Là. C'est pas un sujet que t'appelles pour te vanter. Là. By the way, au fait, Josée, toujours la faute de la maman. Là. Non, c'est pas vrai. Parce que dans l'appel qu'on vient de recevoir, j'ai insinué qu'il y avait des couples de parents-enfants qui sont peu compatibles à cause de traits de caractère différents. Et ça, c'est plate, mais c'est la nature qui confère à l'enfant des traits de caractère. Et quand elle dit que sa fille lui ressemble, là, j'achète pas ça deux minutes. Je ne la crois pas du tout. J'ai l'impression que c'était un misfit, c'est-à-dire... Et en plus, le géniteur a embarqué là-dedans pour mal la faire paraître avec cette fille-là, qui devait être fort jolie, soit dit en passant. On va aller à la pause. Avez-vous l'impression qu'un de vos enfants ou que vos enfants ne vous aiment pas? Joindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayo et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. Il est il est 10h21 minutes. Non, je trouve pas que le temps va vite à ce point-là. J'apprécie chaque moment avec Doc et avec les auditeurs. Aujourd'hui particulièrement, moi je trouve ça très interpellant comme question, puis c'est pour ça que tous les courriels on vous lit, puis on sent que c'est très blessant pour certains parents de constater que un de leurs enfants ne les aime pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Je vais en lire tantôt des courriels. Oui. On a lu tantôt Emmanuel qui nous a écrit sur notre page Facebook, le Doc Mayo et José, qui nous disait, puis vous savez, là, c'est lui qu'avec son fils, depuis la séparation, le lien n'est plus le même du tout, mais avec ses trois filles, c'est correct. Puis on lui a dit, appelez-nous donc, ça va être plus simple de parler de votre histoire. Oui. Bonjour, Emmanuel. Oui, bonjour. Oui. Emmanuel, racontez. Oui. Bon, tout d'abord, juste pour nous situer, parce que vous disiez que vous aviez des grands-enfants puis une plus petite, c'est quoi votre situation familiale? Donc ça, on avait les trois enfants, puis après ça, j'ai fait renverser ma vasectomie pour en avoir une quatrième. Okay. Donc ce qui explique la quatrième. Là. Puis je sais que Doc Mayo parlait de vasectomie qui n'avait pas marché tout à l'heure, mais c'est plutôt l'inverse. Parfait, excellent. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Vous êtes séparés? Oui, donc on s'est séparés il y a un peu plus de 4 ans. Puis dès le départ, là, ça a été des conflits là, à plus finir. Puis ça, les enfants ont été mêlés là, à tous ces conflits-là là, dès le départ. Conflit, c'est-tu parce que vous avez quitté votre conjointe pour une autre femme? Oui, c'est moi qui est parti, oui. OK. Attendez un peu, vous êtes parti, oui. Êtes-vous parti avec une autre? Ben, c'est ça, je viens de poser, il a dit oui. Bon, non, mais je voulais être certain. OK. Et parlez-nous de l'autre. L'autre? Elle a quel âge? J'allais dire dimension de la poitrine. Non, aspect corporel et intensité sexuelle.
Non, ben, ça n'a pas rapport avec le physique ou rien. Là, c'est vraiment... Emmanuel, me permettez-vous, Doc? Je vais préciser la question du Doc. Oui. Es-tu plus belle que votre ex? Ben, c'est pas... Non, je ne ferai pas de comparaison. Surtout, j'ai donné mon nom, là, puis qu'il y a peut-être des gens qui vont se connaître dans le... OK, c'est bon, vous êtes diplomate. Ben oui, plus belle, la plus fine, plus... Vous avez assez de troubles de même, hein? On n'en rajoutera pas. Okay. Oui, attendez un peu. Et il y a 4 ans, quel âge avaient vos 4 enfants? Ça, ça m'intéresse. Ben, tout m'intéresse. Il y a 4 ans. Oui, il y a 4 ans, la plus jeune avait donc 4 ans. Mon fils avait 18 ans. Les filles avaient 18. Elles venaient juste d'avoir 18. Puis l'autre, 22, 23. Oui, mais attendez un peu, vous en aviez 2, 18 ans? Votre fils avait 18 ans il y a 4 ans? Non, lui, il a 18 ans maintenant. Il avait 14 ans. Il avait 14. OK. 4, 14, 18, 22. Oui. Bon, vous aviez 2 jeunes adultes, un enfant et un adolescent. C'est ça. Allez-y, la suite. Oui, donc, c'est ça, dès le départ, ça a été des gros conflits là, au niveau de la séparation. C'est-à-dire, concrètement, gros conflit, ça veut dire, ça nous dit rien. Gros conflit, ben c'est sûr que mon ex là, a pas pris que je sois parti, puis a frappé où ça faisait mal, là, c'est-à-dire dans ma relation avec les enfants. J'avais une très bonne relation avec les enfants. Elle a frappé. Allez-y, concrètement, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a cogné dur, là, c'est ça. Elle aurait dû regarder votre père, c'est un ci, c'est un ça. C'est un quoi? Vous êtes, allez-y, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu, ça, c'est des choses que je peux pas répéter. Là, oui, écoutez, là, si vous pouvez pas répéter, moi, je vais mettre fin à la conversation. C'est bien une valeur, on se dit les choses. À notre tribune, c'est pas une tribune d'enfant. La garderie à ciel ouvert, c'est ailleurs, c'est pas nous autres. C'est beau. Non, ben ça, c'est votre père, il est parti avec une salope, puis c'est une ci, puis elle, c'est une ça, puis là, elle s'est mise à appeler à mon bureau, à mes patrons pour essayer de me faire congédier, essayer de faire congédier ma nouvelle conjointe, elle a appelé mes parents, ma famille, elle avait pris contrôle de mon compte Facebook, elle s'était mise à écrire des choses comme si c'est moi qui les écrivais. J'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné ma femme puis mes enfants, parce que j'ai trouvé l'amour ailleurs, puis... En tout cas, ça a été là, non-stop là, pendant plusieurs mois. Puis ça continue encore. Puis moi, mon cours, elle essaie de me faire perdre la garde de la plus petite. Là, puis ça continue encore aujourd'hui. Là, c'est une guerre à finir, Ouais. Donc, au départ, c'est ça, on avait chacun des avocats qui étaient impliqués dans le dossier. Pourquoi vous l'avez laissé? Ben, écoutez, vous trouvez pas ça étrange, votre histoire? Vous avez 3 enfants avec cette femme-là. Vous vous faites opérer pour renverser une vasectomie. Oui. Vous avez un bébé avec elle. Mm-hmm. Puis là, vous la plaquez là. Expliquez-nous votre comportement. Non, je n'ai pas voulu la plaquer là. C'est ce que les enfants sont fait expliquer comme histoire. Regardez. Mais 22, 18, 14, vous vous faites renverser une vasectomie. Oui. Puis la petite a 4 ans, puis vous sacrez le camp avec une autre. Oui. Les faits, c'est ça. C'est pas ce que l'ex dit. Dans l'année qui précédait la séparation, mon ex, elle, était partie 2 fois. Elle avait plaqué tout le monde là 2 fois. Ah. Ça marchait plus, il y avait des conflits. Donc, elle avait décidé que c'était assez. Elle avait le droit de partir, mais pas vous. C'est ça. Si elle était partie, ça aurait été correct. Mais là, parce que c'est moi qui suis parti, là, ça marchait plus. Oh! C'est fou! Écoutez, Emmanuel... Oui. Merci d'avoir appelé. Parce que, vous savez, les situations conjugales au Québec, il n'y en a pas 2 pareilles. Et les séparations, il n'y en a pas 2 pareilles. Il y a toutes sortes de patentes qui viennent influer. Écoutez, là, c'est ça que je mentionnais tout à l'heure à José. Non, le petit peu qu'on avait là me laissait très perplexe. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? 27, 28, 18, puis 8 ans, puis là, il est séparé, puis le chiot est pogné. Oh là là! Mais pour revenir à notre question de base, comment vous expliquez que votre fils ne vous aime pas et que vos filles vous aiment? Je sais que le doc là, parlait de Freud, puis tous les liens avec les fils, puis leur mère, puis les filles avec leur père, tout ça. Je peux pas dire que je voyais une différence entre la relation que j'avais avec mes filles ou avec mon garçon. Je pense que c'était pas mal la même chose.
Mais votre fils avec la mère, lui? Ben, au début, la plus vieille, elle vivait plus à maison. Donc, elle était un petit peu plus détachée de tout ça. Oui. La deuxième était comme rendue adulte. Elle aussi, elle avait une autre vision de tout ce qui se passait. Oui. Mon fils, lui, était à 14 ans, en pleine adolescence. Mon avocate a essayé de faire nommer, parce que comme en cours, on peut faire nommer des avocats pour les enfants. Oui. Pour qu'eux puissent donner leur point de vue, tout ça. Puis sa mère lui avait montré la requête de mon avocat. Puis là, lui, ce qu'il a lu de ça, c'est « Ah, mon père m'emmène en cour. » Puis, tu sais, c'est un ci, c'est un ça. Puis, en tout cas, sa mère, ça, lui a montré la requête, disant « OK, ton père m'emmène en cour. » Est-ce que votre ex, c'était une jolie femme? Oui. Est-ce que votre fils de 14 ans trouve sa mère belle? Je pourrais vraiment pas vous dire. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il trouve sa mère, comme qu'il dit, aussi gossante qu'il me trouve moi gossant. Il vit avec elle, donc à quel point... Je sais pas s'il y a une bonne relation avec sa mère. Mais il s'aime beaucoup. C'est correct. Dérangez-les pas trop. Soyez délicat avec votre fils. Mais si sa mère s'est posée en victime... Ça se peut-tu, ça, que le fils soit plus porté à vouloir être là pour la réconforter? Oui, bien, il l'aime. Ben oui, mais on réconforte quelqu'un qu'on aime, José. On réconforte pas quelqu'un qui est gossant. Non, Ouais, honnêtement, je peux pas vous dire... Oui, bien, il l'aime beaucoup. Il est rendu à 18 ans, là. Qu'est-ce qu'il fait de bon, le grand, là? Ouais, il va au cégep, il joue au hockey. Bon, ça, c'est bon. Il joue au hockey? Oui. Est-ce que... Oui, à part ça... Ben, c'est ça, il travaille un petit job, il va au cégep. Oui. Il reste chez sa mère encore. Oui. Et vous, lorsque vous l'abordez, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Vous avez des contacts à quelle fréquence et comment ça se passe? C'est vraiment pas fréquent. Le premier contact que j'avais eu avec lui, c'était dans les débuts de la séparation quand sa mère était partie à l'extérieur de la ville. Bon, écoutez. Est-ce que vous lui envoyez une carte pour son anniversaire de naissance? Oui. Ça, je le faisais au début, je l'appelais régulièrement. Est-ce que vous le faites encore? Est-ce que à 18 ans, vous lui achetez encore une carte pour souligner son anniversaire? L'an dernier, je ne l'ai pas fait. Là, je l'ai refait à Noël cette année. Vous mériteriez d'aller vous mettre à genoux dans le coin et vous faire traiter comme un gamin. Avez-vous compris ce que je suis en train d'insinuer? Oui. Qu'est-ce que je suis en train d'insinuer? Que je suis en train de le punir parce qu'il ne me parle pas. Ouais! C'est en plein ça. Au moins, vous êtes brillant. C'est pas l'intelligence qui vous manque. Non, mais j'ai fait beaucoup de lectures. Lisez un peu moins et essayez d'utiliser un peu plus ce que vous avez entre les deux oreilles. Et ce que vous avez dans le thorax. On appelle ça le cœur. OK, vos petites frustrations d'enfant, là... vous allez continuer. Non, j'ai tout essayé. Non, vous n'êtes pas tombé à bonne tribune. Non, vous continuez. Correct? Vous continuez. Bye. Bonne chance, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci. Pauvre petit de moi, j'ai tout essayé. Non, le grand, tu continues ce que tu as fait. L'année passée, je souligne pas son anniversaire. Non. Il est en... Tu sais, je veux le punir un peu. Il était pas fin avec moi. C'est lui qui est l'enfant. Il est pas le parent. On va aller la pause là-dessus. Merci, Emmanuel, de nous avoir téléphoné. Oui, c'est vrai. Oui, merci. Gentil, parce que... Oh, oui. Écoute, des Emmanuels au Québec, là, 200 000 à matin. On a plein de courriels, Doc. Vraiment, là. OK, oui. Avez-vous l'impression qu'un de vos enfants ou vos enfants ne vous aiment pas? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Doc Mayou, joindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, évidemment, ça touche beaucoup de personnes, là, soit dit en passant, et on a toutes sortes d'histoires avec notre question qui est « Avez-vous l'impression qu'un de vos enfants ne vous aime pas? » Là, il y a une histoire qui vient de se passer il y a 3 semaines, Doc. Oui. Je vais vous la lire.
Je suis une mère de 38 ans. Ma fille a 16 ans. Ça fait approximativement 3 semaines que ma fille dit me détester. La cause? Moi et mon conjoint, son père, étions dans notre chambre en plein ébat, mais discrètement. À 23h45 environ, ma fille est montée en haut pour ouvrir la porte et dire à son père que c'est, et je m'excuse, un crisse de sale de lui faire ça. Et moi, le lendemain matin, me dire qu'elle me déteste chaque jour depuis. Pourtant, mon conjoint, camionneur, très peu à la maison, donc il n'y avait pas d'amour amoureuse père-fille. Me déteste-t-elle parce qu'elle aime son père à 16 ans, soudainement? Non, c'est pas soudain. C'est sûr que, écoutez, chers amis, il y a des enfants, des jeunes qui sont problématiques. Il y a des jeunes qui n'ont pas des personnalités adaptatives. Il y a des jeunes, beaucoup de jeunes, qui ont des personnalités tout croches. Vous pouvez ne pas avoir ces traits de caractère-là, et à cause de la génétique, vous pouvez avoir un enfant qui ne vous ressemble pas au niveau tempérament. Un enfant qui n'a pas de jugement, un enfant qui est impulsif, beaucoup plus que vous l'êtes. Alors, tout ça existe. On voit bien que ça, c'est pas un comportement normal. Alors, madame, il y a 3 semaines, il s'est passé quelque chose. Ouais. Et vous devriez peut-être leur faire voir votre fille minimalement par une bonne psychologue qui va essayer de gratter. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Parce que les faits tels que présentés m'inquiètent beaucoup. Alors, une fille de 16 ans n'ouvre pas la porte de la chambre de ses parents pour surprendre son père en train de copuler sa mère. Non. Votre fille n'est pas normale. Parce qu'en plus, c'est ces mots-là, pourquoi elle lui fait ça? Ben oui, votre fille, là, elle va pas bien, là. Alors, il y a quelqu'un qui devrait se pencher sur son cas de façon urgente. Je vais vous lire un courriel. Avec mon garçon de 5 ans, je sais qu'il m'aime beaucoup. Par contre, j'ai souvent de la peine avec lui. Il me fait souvent sentir que papa est mieux. Je t'aime maman, mais papa aussi. Il n'est jamais capable de me dire des choses à moi sans parler de son père. Par contre, quand il y a de quoi demander ou autre, c'est maman qui vient voir. Et quand papa n'est pas là, je sens que je suis plus importante pour lui. On dirait qu'il se sent coupable quand son père est là de venir plus vers moi. J'imagine qu'il n'y a pas de relation amoureuse avec son père. J'aimerais qu'on soulève ce point. C'est que votre fils, madame, à cause de votre immaturité relative, est mal à l'aise d'exprimer son sentiment édipien envers vous. Alors, pourriez-vous grandir un peu, s'il vous plaît, et comprendre que votre fils, devant son père, ça le gêne de vous flirter? Est-ce assez clair? Suis-je nébuleux? Fait que concrètement, là, s'il avait changé des choses, ça serait quoi que vous conseilleriez? Grow up, young woman. Grandis un peu, mature. Mais tu comprends que le fiston, il est mal à l'aise devant son père de flirter sa mère, puis, tu sais? Là, j'ai souvent de la peine. Hey, la peine des adultes, là, on va-tu arrêter en quelque part? Mais Doc, ça, c'est un point aussi qu'on n'a pas soulevé nécessairement, mais ça se peut-tu des fois qu'il y a une compétition pour l'amour de l'enfant entre les deux, entre le père et la mère? Tout ça est possible. Maintenant, dans la relation édipienne, le petit enfant peut avoir certains élans amoureux envers sa mère, mais craindre la réaction du père, du géniteur, qui, lui, est gros, il est grand, il peut être méchant. Elle n'a pas compris. J'ai souvent de la peine. Quand son père est là, il me dit pas qu'il m'aime. Hey, mais sais-tu? José. L'émission sert à ça aujourd'hui, là. Soit dénigrez pas, là. Non, non, ben, ça okay. Sert à ça. Correct. On se pose des questions, on vous les pose. Un peu de misère, moi, avec. Un autre courriel. Oui. Ma conjointe et moi avons 2 enfants. Oui. Une fille de 5 ans, un garçon de bientôt 3 ans. Oui. Depuis la naissance de notre fils, notre petit est très attaché à moi, le père. Que ce soit pour le nourrir, l'habiller, le changer, même le coucher, il ne veut rien savoir de sa mère. Mmh. Il se met à pleurer, fait des crises. Oh, ma conjointe se pose beaucoup de questions et ça la blesse aussi. Ouais, ouais, ben, pourquoi mon fils refuse-t-il l'aide de sa mère? Oui, il y a une raison.
Et là, je vais vous donner un exemple. On va terminer le courriel. J'ai aussi l'exemple. Si mon fils veut avoir de l'eau pour boire et que c'est ma conjointe qui lui tend le verre, il ne veut rien savoir. Je dois absolument prendre le verre de lait et lui tendre à mon fils pour qu'il le prenne. Ouais. Pourquoi n'y a-t-il pas de lien maternel qui s'est établi entre cette femme-là et son bébé, garçon? Il y a des raisons. Il a établi le lien maternel, il l'a établi avec son géniteur, pas avec la génitrice. Pourquoi? Posez-vous la question. Revisez tranquillement qu'est-ce qui s'est passé depuis la naissance de l'enfant. Qui s'est occupé de cet enfant-là? Il s'est passé quelque chose. Parce que ce serait surprenant qu'avec une mère maternante, cet enfant-là ait établi, ait développé un lien préférentiel avec le géniteur. Revisez tous vos comportements depuis la naissance du tout-petit. Regardez et votre réalité. Ses comportements à elle aussi. Là, ben oui, ses comportements à elle. Oui. Si vous dompez le gamin dans une garderie à 9 mois, pas sûr qu'il va être bien content, là. Puis après ça, vous vous lamentez que le lien préférentiel, il l'a fait avec le père. Ben, des deux, lorsque les deux parents étaient là, c'est le père, le petit bébé était mieux avec le père qu'avec la mère. Posez-vous des questions. On va aller à la pause. Si vous voulez nous parler, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique de maintenant au 1-877-670-9330. Je peux continuer à vous lire, mais on va beaucoup plus loin avec vous si vous prenez le temps de nous téléphoner. Comment expliquez-vous ou avez-vous l'impression qu'un de vos enfants ne vous aime pas? Joindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José au réseau Cogeco. On a eu des nouvelles de l'auditeur dont j'ai lu le courriel tantôt, là, que l'enfant était beaucoup plus porté vers lui, le fils, que vers la mère. Ouais. Et là, vous avez dit, vous devriez reviser un peu, tu sais, comment ça s'est passé à sa naissance. Et là, il nous répond. Il dit, ma conjointe a passé la première année à la maison avec notre enfant. Moi, je travaillais constamment avec des heures un peu bizarres. J'étais présent à la maison, mais jamais aux mêmes heures. Notre fils a commencé à être dans un CPA à l'âge de 1 an et 2 mois. Nous sommes posé la question de pourquoi, justement, notre fils était si attaché à moi, car la mère était toujours présente pour lui? C'est faux. Alors, cher auditeur, regardez votre réalité comme elle a été. Alors, la mère est allée domper le bébé d'un an dans une garderie d'État, et l'enfant l'a très mal vécu. Alors, il a considéré ça comme un abandon, il n'est plus rassuré par cette femme-là, il est davantage rassuré par vous, monsieur, que par sa génitrice. Alors, vous voulez domper des bébés? Allez-y fort, mais surprenez-vous pas du résultat. Ce résultat-là est fréquent, José. Le bébé n'est pas stupide. Ouais, je t'ai fait confiance, toi, puis tu me dompes. Parfait. Je suis plus rassuré par mon géniteur dorénavant. Il s'est senti abandonné, l'enfant? Ben oui. Par sa mère? Ben oui. Puis, le fait... Et il y a quelque chose. Alors, à temps égal avec les deux, il trouve le géniteur plus rassurant que la génitrice. Tu sais, on sent maudit. L'année qui a passé avec elle, là, c'est une année, ça, là. La vie continue. La suite ne lui a pas convenu. Fait qu'il s'est réorienté. Dorénavant, moi, je suis beaucoup plus rassuré par mon géniteur que par ma génitrice. Souvent, dans la vie, on récolte ce qu'on sème, José. Mais sûrement, tu sais, ce que vous dites, là, je trouve que ça fait plein de bon sens, là. Une mère qui est anxieuse, c'est pas rassurant pour un jeune bébé, là. Pas du tout. Fait que le père est plus sûr de lui, il est plus calme, il est plus rassurant que cette espèce de nerve-là, qui va le chercher, puis là, se la manque, puis a deux enfants, puis l'autre, l'autre a une fillette de 5 ans. Fait que le petit bébé, lui, ouais, il regarde ça. Ah, pas de problème. Moi, dorénavant, ma mère, c'est mon géniteur. On a une auditrice, elle dit « Rien de plus ingrat que des enfants. Être parent est overrated. Pratiquement impossible d'être l'image de la relation parent-enfant qu'on nous projette à la télé comme modèle. »
Pardon? Avant de réagir, okay. Oui, s'il vous plaît, je suis en train d'écrire. Rien de plus ingrat que des enfants. Oui. Être parent, c'est overrated. Pratiquement impossible d'être l'image de la relation parent-enfant qu'on nous projette à la télé comme modèle. Contraception, José. Contraception. S'il vous plaît, si vous vous êtes reproduit, madame, là, c'est une femme, ça? Si vous êtes reproduit, contraception, s'il vous plaît. Ligature des trompes, on arrête cela. Vous êtes foncièrement méprisante envers les enfants. C'est dans vous incrusté profondément. Mais je sais que vous l'avez entendu souvent, ça. Mes enfants sont ingrats. Non. Oui, oui. Il y a des enfants qui peuvent être ingrats. C'est pas ça qu'elle dit. Je l'ai écrit. Rien de plus ingrat que des enfants. Ouais. La prémisse de base, l'affirmation... Ouais, la généralisation, là. L'affirmation qu'elle fait, la généralisation qu'elle fait, nous démontre indéniablement un profond mépris envers les enfants. Contraception d'urgence, ligature des trompes, bonsoir, on se reproduit pas. Je vais y aller en rafale, OK, avec des courriels qu'on a reçus. Oui. Il y en a une auditrice, je la passe, là, mais on avait dit qu'on parlerait seulement des parents, mais elle se l'est comprendre. Elle dit, mon père pense que je ne l'aime pas. Oh! Écoutez, oh, petit pit! C'est pour ça que je le lis, écoutez. Oui. Je suis déménagée à 45 minutes de route de lui. J'ai mon auto, mon permis. J'allais le voir souvent, mais depuis que je suis déménagée, mon père ne me parle presque plus et il me dit que je ne l'aime pas. Il veut la punir. Mais d'après moi, c'est pas le fait que je suis déménagée le problème. D'après moi, c'est parce que je suis déménagée avec mon chum. Oh! Oh! Papa, le papa amoureux a de la peine. Ça finit souvent comme ça, j'avais José. Que vous alliez l'aimer, celle-là. Ben, écoute, c'est tellement fréquent. Et là, il va la bouder, hein? Il boude. Il veut la punir. Puis là, il lui fait des reproches, essaie de la culpabiliser. Je m'ennuie. Tu m'appelles pas souvent. Pip, 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 pip. Pauvre papa, hey, les papas amoureux, là, quand ils se font planter, ils la trouvent pas drôle. Il traverse à travers une crise. Et, c'est, écoute, à partir du moment où ils deviennent cocus, là, ils prennent mal. Hey, mais ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Oui. Là, que vous m'inspirez. Comment avez-vous réagi au départ de vos enfants oui. de la maison? Oui. Puis surtout, le papa amoureux, quand il est cocufié, là, il prend mal. Hey, toutes sortes de mécanismes, là, il l'appelle, il se lamente, il se plein, il boude. Hey, les affaires, tous les mécanismes de gonzesse, là, ils pensent tout ça. Hey, c'est un homme. Mettez pas ça. Pourquoi vous ramenez ça tout le temps, ces histoires de gonzesse? Tu sais, moi, je vous écoute, vous êtes bien parti. Poing! Oui, mais José. Vous sortez ça. José, parce que c'est pas masculin, c'est pas homme. Et ben, j'ai pas de mots pour ça. Il n'y a pas plus de femmes qui font ça nécessairement, là. Oui, les femmes... On pourrait trouver un autre qualificatif. Oui. De moumoune, je sais pas, moi, de pas évoluer. Oui, moumoune, immature. De petitesse émotionnelle, je sais pas. Ah, mais au lieu de mettre ça sur la faute des femmes, des gonzesses, des comportements féminins, puis tout ça, là, on dit-tu moumoune? Oui. Bon, fait que dorénavant, ça va être moumoune. Oui, okay. oui, moumoune sérieux, là. Bon, parfait. Et je suis très sérieux. Parce que les pères amoureux de leur grande, quand la grande commence à copuler, ils sont bouleversés, ont des troubles de concentration, de la difficulté à dormir. T'as pas idée, ça les vire en envers parce qu'ils sont cocus. J'ai une histoire plus grave, là. Oui. J'ai été en relation avec une femme de 2002 à 2005. Oui. De cette relation sont nés trois enfants. Oui. La mère ne voulait pas de père, mais un géniteur. Oh. Pour se débarrasser de moi, elle a fait une plainte de voix de fait envers mes enfants. Ouais. Après enquête et expertise non favorable pour elle, elle s'est mise à faire de l'aliénation envers mon plus vieux, son préféré. Les années ont passé sans être en bon terme. La madame s'est fait un chum et depuis ce temps, mon plus vieux ne vient plus me voir et a demandé un changement de garde. Je comprends rien à tout ça. Il m'accuse de fausseté. Il est méchant envers moi. Même s'il sait pour mon cancer, aucun appel, rien. M'aime-t-il ou aliénation parentale?
C'est fréquent. Alors là, on tombe dans les brouilles de séparation, les motivations tordues. Alors oui, écoutez, il y a des femmes qui vont choisir un homme pour se faire engrosser deux, trois, puis ensuite elles le mettent dehors. Oui, oui, tout ça existe. Tout ça est possible. Alors, il y a des femmes méchantes, il y a des hommes méchants, il y a des hommes violents. Ça encore, je sais que la question, vous me trouvez drôle quand je la pose, là, mais consciemment, là, une femme qui se trouve un homme pour avoir trois enfants, puis... Ben oui, puis souvent, écoute, je vois régulièrement des femmes qui ont quatre enfants, cinq enfants, trois pères différents, quatre pères différents. Ouais, ben là, ça, c'est une autre histoire, là. Tu comprends que le père, le géniteur n'est pas important, là. Alors, que ce soit un géniteur pour trois ou un géniteur par enfant, la nation canadienne-française recèle en son sein une diversité d'individus absolument incroyable. On va terminer. L'émission est presque finie, là. Depuis que j'écoute le doc, ça, c'est un homme qui parle, du temps de CKAC, je suis définitivement un meilleur papa et le terme papa est bien choisi. Votre tribune me fait grandir comme personne en me faisant questionner. La génitrice devrait vous écouter. Dire à une petite fille de 10 ans qu'elle n'est pas chez elle, je suis séparée depuis 2 ans et vivant dans 2 maisons distinctes, car elle ne paye pas les comptes et le loyer. Je t'annonce que ça fait de la peine à une petite fille. Bon. Hey boy. De souligner à un enfant qu'elle n'est pas propriétaire des lieux, c'est une chose. Parce qu'il y a des enfants de 10, 11, 12 ans qui s'approprient. Ils deviennent propriétaires des lieux puis bossent les adultes. C'est inadmissible. Cependant, de dire à une fillette de 10 ans qu'elle n'est pas chez elle, dans le but de l'insécuriser, puis dire « Hey, tu fermes ta gueule, sinon tu prends la porte », ce n'est pas trop relevé, José. N'est-ce pas? Ben, elle va peut-être avoir un petit tour quand la petite fille va dire « Ouais, ben parfait, ciao, bye. » C'est ça qui va arriver. Alors, il y a des signes annonciateurs d'une fin de relation. C'est pas chic. Mais là, à 10 ans, ben oui, est encore mieux d'avoir le contact avec sa mère, même si elle n'est pas appropriée ou bien... Non, écoute, il n'est jamais dans l'intérêt d'aucun enfant d'avoir un mauvais parent, un parent incompétent ou un parent sans cœur. Fait qu'aussi bien que ce soit avec... Parce que souvent, on dit la petite fille, c'est mieux avec la mère. Là. Dans un contexte comme ça, c'est aussi bien avec le père. Oui. La petite fille... Si le père est adéquat. Là. La petite fille est toujours mieux avec une bonne mère. Mais là... Et le fait d'être avec une mère sans allure peut empêcher la petite de tisser un lien avec une femme maternante dont elle a un pressant besoin. C'est ce qui complète l'émission. Merci encore beaucoup, tout le monde. Beaucoup. Ouais. Merci, Alex. Déjà fini. J'ai Merci, perdu Olivier. La notion du temps. Ben oui, ça va vite, ça va vite. Bon. À demain, Doc Mayou. Oui. À demain, tout le monde. Bye.